Bonjour à tous et bienvenue à la chaîne de l'Atelier de la Vigne en cette belle journée de printemps. Alors le printemps, c'est normalement la période où on commence à ressortir moto, auto et cyclo ancien pour se balader ou participer à des manifestations. Hélas, cette année, pour cause de confinement, eh bien ce ne sera pas possible car nous sommes tous bloqués chez nous, à la maison ou bien pour nous, à l'atelier. À l'atelier, le confinement, c'est bien sûr continuer à s'occuper de la restauration des machines de nos clients. Vous en avez quelques exemples là sous les yeux. Mais on a aussi réfléchi à ce que l'on pourrait apporter au personnel soignant dans les hôpitaux ou autres. Ainsi, chez nous, on a beaucoup de métiers qui s'occupent des personnes âgées ou des personnes malades à domicile, que ce soit pour les soins, pour les repas, etc. Comment les aider, nous, l'atelier, avec nos compétences, nos moyens et surtout nos approvisionnements? Alors, comme vous, bien sûr, je suis abonné à pas mal de chaînes YouTube, dont celle qui s'appelle le Laboratoire d'Heliox. Alors, c'est une chaîne qui est très inventive d'abord, et puis qui est spécialisée dans la fabrication d'objets en 3D. Et c'est ainsi que, grâce à l'initiative d'Heliox, eh bien, l'atelier s'est orienté vers la réalisation de ce produit. Alors, comme vous le voyez, l'imprimante fabrique cet élément support. À partir de là, il suffit d'utiliser, vous le voyez, des plastiques pour reliure. Une fois perforé et installé sur le support, cela donne une visière pour le personnel soignant. Comme vous pouvez le constater, c'est simple et pratique. Le support est élastique et peut donc s'adapter à toutes les têtes. Pas besoin d'élastique, ça c'est aussi une pièce qu'on n'a pas besoin de trouver en plus. On peut l'imprimer, ce support, sur n'importe quel type de matériau en PLA pour imprimante 3D. Et la visière est doublée de deux feuilles, donc de couverture, soit plus de 300 microns, ce qui rend le tout bien sûr rigide et protecteur. Alors l'atelier de la Vigne eh bien, a déjà produit une vingtaine de ces visières et nous on le distribue par exemple au cabinet d'infirmiers proche de chez nous. Si vous voulez le faire, eh bien, n'hésitez pas à faire la même chose. Toutes les informations je vous les donne dans le descriptif et puis bien sûr je remercie encore Heliox qui a initié cette fabrication sur le net. Merci à vous de nous suivre. Portez-vous bien et abonnez-vous à la chaîne de l'Atelier de la Vigne. À bientôt.